Fanny? J'ai su pour ton chien. Je dois dire que si je pouvais t'aider à le trouver. Ah, t'as su? Ma soeur a vu un tweet. Elle m'a dit qu'il était en sécurité. Je voulais pas t'inquiéter avec mon petit drame. C'est pas petit. C'est ton chien, ton amour. Je sais très bien comment tu peux te sentir. Peux-tu rentrer? Prendre un verre? J'ai un fond de scotch, une bouteille de vin. De l'eau. Fait que c'est ici que tu t'exprimes. Ouais. Que je m'exprime, moi. J'aurais pas deviné. Les tatoueurs que je connais sont remplis de... Je fais pas souvent les choses comme les autres, disons. Dans mon cas, less is more. Less is more. C'est bon, ça. Tu trouves? Ouais. Des fois, c'est... Ça, c'est vraiment beaucoup de tatouages pour une seule personne. Mais j'essaie de respecter les gens, mais c'est... J'ai quand même mes limites, là. Je sais pas les signes haineux ou... Ou quoi? Les noms de couple. T'as quelque chose contre les couples? Non, je trouve juste ça dépendant un peu, comme geste. Écoute, ça finit souvent par se lasser. Non? J'imagine. C'est pas évident de traverser les années, c'est sûr. Excuse-moi, je t'ai mal lu. Pas que je suis habituée de lire les gars, c'est pas ça. J'ai jamais trompé mon chum. Non, non, tu m'as bien lu. Je suis célibataire, tout est en couple. Je veux pas compliquer ta vie juste pour une baisse. Tu penses que je suis pas capable de cacher quelque chose à mon chum? Je pense pas que ça soit ta plus grande force, disons. Non, t'as pas besoin de mentir. Il s'est rien passé. Que tu me sauves de moi-même, ça? Je suis pas un bon gars, Fanny. C'est pas l'impression que j'ai eue. C'est pas ça que tu m'as montré aujourd'hui. J'essaie. J'essaie d'être une pauvre personne, mais je suis pas un bon chum. Je t'ai vu avec ton chum tantôt. J'ai trouvé que vous faisiez un beau couple. Tu vas retrouver Arthur. Ah, tu veux pas que j'aille te reconduire? Ça va. J'ai ma technique d'autodéfense qui est très à point, comme tu le sais.
chance, Hubert. Bonne chance, Fanny. Je pensais que tu serais couché. Ça va mieux? Oui, oui. J'ai marché, puis... j'ai eu une bonne marche, là. Je viens d'embrasser un gars. Puis c'est pas parce que j'ai été suivie ou... J'ai revu le gars avec qui j'étais à Coop aujourd'hui. Parce qu'il a perdu son chien. Puis je l'ai embrassé où il travaille. Mais c'était pas prévu. C'était un moment gratuit qui veut rien dire. Chose que j'aurais pu imaginer après ce qui s'est passé. Je comprends. Non, ça me ferait suer aussi, c'est assez extrême. Mais quand t'es sorti, c'était pour le voir ou pas? Oui, mais j'avais rien de sexuel en tête. Je me sentais juste redevable envers lui parce qu'il m'a vraiment aidé avec Camille. Quand ils ont voulu servir de la petite puis moi comme bouclier, ils ont offert de monter à notre place dans l'hélico. Fait que quand Fred m'a montré son tweet, c'était à ça que j'ai pensé. Je voulais juste le remercier puis me montrer solidaire à cause de son chien. Et t'aurais pu me dire ça. J'aurais compris, tu sais. Je suis calme, là, mais c'est raide. Ça fait vraiment mal. C'est vraiment rien de plus. Non, comment ça pourrait l'être, je le connais même pas. Non, comme tu dis, c'est quelque chose de plus primaire. Vous avez pas fait de l'amour? Non, pas du tout. On a arrêté, on a même parlé de toi. C'est juste un baiser, c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire... Tu m'aimes encore? Ben oui, je t'aime. Thank you.
again. Make us dream of spaces we once had a home. We had a home. Final.